bienvenue à cette première rencontre franc, sous forme de rencontre. Hein. Ce n'est pas un masterclass animé par Amine et puis par Jean-Noël. C'est vraiment une rencontre sous le thème de l'échange, sur le thème évidemment assez vaste, développement et accompagnement de l'artiste. On a la chance d'avoir avec nous donc Amine Rafed, qui est donc booker chez À Gauche de la Lune Productions, basé à Lille. Et Jean-Noël Scherrer, donc, à la fois musicien au sein de la Strain et à la fois chez Colflame pour la direction et le booking exactement. Donc, double casquette assez intéressante d'avoir l'aspect des musiciens et l'aspect professionnel sur l'accompagnement d'artistes. Donc, un échange qui va durer entre 60 à 90 minutes. On se fixe ce cadre-là. Moi, je suis Olivier Dallaire, je suis programmateur à Belle Électrique. Christophe Deutsch est avec moi, qui est chargé d'accompagnement à la Belle Électrique. On est là pour modérer, animer, relancer la discussion. Donc vraiment sous forme de discussion, hein, ce n'est vraiment pas un cours magistral. Les questions elles doivent être récurrentes sur la thématique donc développement accompagnant l'artiste, comment accompagner un artiste. On balaye le champ de vous avez plein de questions. En même temps, on va découvrir les métiers de Amine et de Jean-Noël, comment ils travaillent avec les artistes, comment ils développent, le rôle du management, le rôle de l'accompagnement, les structures ressources, la communication, tout les relations interprofessionnelles autour d'un artiste, manager, attaché de presse, suivant les niveaux. Et puis aussi l'aspect cadre, comment s'inscrire dans un cadre légal et juridique. J'accepte la dernière personne. Ça en 90 minutes, les gars, j'espère. Ça en 90 minutes. Est-ce que Amine et Jean-Noël voulaient juste dire deux, trois mots sur votre activité? Qui êtes-vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Et après, on fait un tour de table de tout le monde. Ça vous va? Vas-y. Allez, vas-y, je t'en prie, Amine. Écoutez, moi je m'appelle Amine Rafed, donc je suis, comme a dit Olivier, je suis booker chez À Gauche de la Lune, une boîte de production qui est basée à Lille. Donc moi chez À Gauche de la Lune, je me concentre principalement sur le développement d'artistes. Donc en fait, je m'occupe que des tout petits groupes chez À Gauche de la Lune. Et voilà, on fait également beaucoup de promos locales, on organise énormément de concerts dans la région. Et on s'occupe également de la programmation de la Fête de l'Humanité qui se déroule généralement en septembre à Paris. Enfin, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, en gros, globalement et très rapidement. Et moi, c'est Jean-Noël. Je suis chanteur et guitariste d'un groupe de rock qui s'appelle Last Train. À côté de ça, je suis fondateur d'une agence de booking qui s'appelle Colflame, qui est basée à Lyon. C'est une petite agence avec une vingtaine de groupes dans le catalogue. La moitié sont des Français, l'autre moitié sont des artistes internationaux. Le catalogue, il est exclusivement rock, tout ce qui est des guitares et ses dérivés. Et puis voilà, de temps en temps, j'interviens effectivement comme intervenant, formateur, je ne sais pas trop, sur plein de trucs comme ça, sur le développement de carrière, sur le booking, la production de tournées, tout ça, parce qu'en fait, effectivement, il y a un peu cette deux visions, là, comme disait Olive tout à l'heure, la vision artistique et la vision de production, on va dire ça comme ça, qui en fait sont deux choses qui sont très, très, très liées, et il est important de comprendre les deux, les impératifs autant des prods que des artistes pour pouvoir écrire des jolies histoires. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un tour de table? À l'écran m'apparaît Edgar, si tu peux te présenter rapidement et ce pourquoi tu es là. Ok, salut tout le monde, c'est un plaisir d'être là. Moi je suis actuellement dans une association qui s'appelle Nymphonie Records, qui est basée à Grenoble, pour lesquelles je suis responsable booking. On est à la fois une association qui organise des événements dans les différents endroits de Grenoble, notamment la Belle Électrique où on avait eu la chance de vouloir faire quelque chose, et aussi au Dracart et tout ça, et on a aussi toute une partie de label, et on sort d'ailleurs actuellement deux vinyles pour notre 9e compilation, composée d'artistes house qui produisent de la musique, de la house music, et l'autre plus d'artistes un peu plus techno, et voilà, c'est plus ce style de musique là. Voilà. Ok, merci. Alexis? Salut à tous. Moi c'est Alexis. J'ai créé une micro-entreprise en janvier 2020,
sur une partie booking avec trois groupes, Trix, Ziart Industry et Madfoxys. Et j'ai également une partie management avec Madfoxys. Et en janvier 2021, donc très récemment, avec le chanteur de Madfoxys, on a créé un label indépendant qui s'appelle El Muchacho Records, où on va sortir le deuxième album de Madfoxys dessus et d'autres projets sortiront dessus. Et sinon, à côté de ça, je suis surveillant dans un collège pour payer les factures. Voilà. Entendu. Bonjour Pierrot. Ah. Problème de micro. Pierrot. Pourquoi t'as pas de micro? Ah, il s'équipe. J'ai demandé. Sinon, les Jax, ils peuvent se présenter en attendant. Allez. Allez, les Jax. Le temps que Pierrot règle la petite problématique technique. Tiens. C'est bon là. Ah. Non, bien, c'est bon. Nous, on s'appelle. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Ils sont un peu bizarre quand même. Ouais, ah, loin. Du coup, nous, on s'appelle Jax. On est un groupe de rock grenoblois. Et puis, du coup, on s'est inscrit à cette réunion. Vous m'entendez bien? Ouais. On est en train de réfléchir à justement un peu notre stratégie de développement, parce que nos objectifs, ce serait un peu de se professionnaliser justement. Et du coup, on est sur la réflexion de notre rétro-planning, de comment on va arriver à cette professionnalisation. Et du coup, c'était pour cela qu'on s'est inscrit à cette entrevue. Voilà. Ok, merci. Pierrot, c'est bon pour toi? Non? Ah, ça va. Ah merde, c'est con. Ah. Ah non. Bon. Tu peux nous rédiger ta présentation, ouais, si tu veux, sur le chat. Tu peux écrire sur le chat, Pierrot. Passons à quelqu'un d'autre. Élise, c'est ça? Tu ne me trompes pas? Yes, c'est ça. Bonjour. Et bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Richard. Donc, Élise Declerc et Richard Meillet. Merci déjà. Merci à vous. D'avoir accepté. Nous, on est là pour Helmut Sand, qui est une association qu'on a créée il y a quelques mois pour un ami musicien, Lewis, qui fait du psyché, prog, accent, folk et garage selon les morceaux. Voilà, qu'on a rencontré lors d'un de ses concerts avec son groupe d'origine dans le café-concert qu'on gère également à Gap. Okay. Voilà, donc on a pas mal, c'est tout neuf, donc bon, ça se passe bien, on intervient beaucoup sur la partie management, énormément, mais on a besoin de billes sur le reste, donc votre rencontre paraissait tout à fait correspondre à ce dont on avait besoin. Parfait. Paul? Oui, enchanté. Paul, alors moi j'ai aussi cette casquette musicien et manager, gestionnaire d'artistes. Je suis musicien dans au moins trois groupes à Grenoble, Influence Néfaste, Liquid Flesh et Epitaph, qui sont du métal et du punk en gros. Et à côté de ça, je fais partie de la direction d'un collectif qui s'appelle le collectif Heptagone à Grenoble, qui regroupe une trentaine de musiciens et artistes visuels, artistes numériques, etc. On est résident au Ciel. Et donc, dans ce collectif, il y a des amateurs qui sont voués à rester, des gens en voie de professionnalisation et des gens qui sont déjà professionnels. Et donc, voilà, ça m'intéressait d'échanger autour de tout ça, autour de la définition des besoins des artistes et comment coordonner tout ça autour. Donc, voilà, enchanté. 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 Farah. Bonsoir. Oui, du coup, je m'appelle Farah. Je fais partie d'un groupe, donc je suis à la fois musicienne bordelais, qui s'appelle YouSign. On est accompagné par la Rock School Pro,
Rock School Barbet, c'est une salle de Bordeaux. Ouais. Et on a aussi intégré un label collaboratif qui s'appelle La Tangente récemment. Et du coup, comme on essaie de mutualiser un peu les connaissances, je me suis dit que c'était cool de venir participer. Voilà. Ça nous fait deux personnes de la région Aquitaine. Avec Pierrot, ancien grand d'emploi. Se joint à nous Mick Loud, qu'on connaît bien, puisqu'il est intermittent de la électrique. Bonjour tout le monde. Salut. À la fois aussi musicien, enfin DJ. Tout à fait. Est-ce que Mick, tu peux te présenter rapidement? Ouais, bah déjà, désolé d'être en retard. J'ai un peu galéré à me connecter à Zoom. Là. Pas de souci. C'était ma première. Du coup, bah, je suis technicien du spectacle de mon métier, mais sinon, je suis DJ pour ma passion. Oui, et du coup, j'ai de plus en plus de temps pour ma passion en ce moment. Du coup, je mets de plus en plus de temps pour la musique. Du coup, je suis DJ dans plusieurs trucs, notamment Son Disciple, c'est un crew de DJ. Mais en ce moment, je me focalise plus sur Opus Crew, qui est un groupe de rap. Bon, du coup, moi, je suis DJ de scène pour eux. Je fais aussi des scratchs pour les albums différents. Voilà. Notre dernière date, c'était chez vous. Oui. Enfin, notre dernière belle date et officielle, on va dire, parce qu'on a fait d'autres un peu bizarres, mais oui, illégales. C'est pour ça qu'on se retrouve à l'ère du numérique, sur des rencontres comme ça, et ouais. Pour se réinventer. Exactement. Et Mick, ton besoin, si on peut le qualifier ainsi, sur la rencontre, c'était les interactions entre booker et artiste, c'est ça? C'est ça, exact. Ouais. Puis après, écouter un peu aussi tout ce qui se dit pour m'inspirer de choses pour le développement du groupe, quoi. Entendu. Ok. Eh bien, bienvenue. Merci. Et j'ai Esther aussi. Bonjour. Qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. C'est ça. Je suis désolée, ma caméra ne marche pas. C'est pas un souci. Alors, du coup, moi, je suis présidente de l'association Ostara Events. C'est une tout jeune association qu'on a montée parce qu'on est en train de bosser sur l'ouverture d'un tiers-lieu culturel et artistique sur Lyon. Et du coup, on aimerait proposer un accompagnement de projets événementiels et artistiques quand on pourra refaire des événements, évidemment. Et du coup, ça me paraissait intéressant de faire ce Zoom avec vous dans ce but-là. Entendu, super. Merci. Jean-Noël, tu as déjà entendu parler de ce projet de tiers-lieu à Villeurbanne? Je pense que c'est plus Villeurbanne, Esther. Non, en fait, on sera surtout Lyon, mais l'association est basée à Villeurbanne à la base, ouais. D'accord, ok. Non, je confonds avec un autre projet. Je crois que c'est le CCO qui se... Oui, ouais, ils sont partis à Vaux-en-Velin même maintenant. Ok. Écoutez, je pense que tout le monde est ici. On a juste une personne qui va nous rejoindre plus tard. Voilà, Pierrot, est-ce que le micro fonctionne ou pas? Non, pas du tout. Est-ce que tu arrives à nous écrire? Non plus. Bon. On t'aime, Pierrot. Ouais, on supporte. Le support commence déjà à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on peut, on se donne jusqu'à 20h30, si ça vous va, sur la partie donc cette rencontre. Est-ce qu'on peut démarrer? Est-ce que le sujet est tellement vaste que je ne sais même pas par où commencer? Mais ouais. Sur quoi on peut commencer? Sur comment on peut positionner un projet artistique quand un groupe vient vous consulter, à vous tous les deux là. Comment on peut vous positionner le projet artistique? Comment vous l'orientez dans vos métiers? C'est vrai que c'est toujours une question un peu délicate parce que effectivement on reçoit tellement de propositions que pas mal de groupes nous disent « Ouais, mais en fait, vous ne répondez jamais au mail. » Mais c'est vrai que je trouve qu'en tant qu'artiste, c'est hyper important en tout cas de réussir à se démarquer et entre guillemets, ça reste un peu de la drague d'une certaine manière. Et donc, c'est important en fait de rendre en fait la proposition assez sexy et intéressante. Donc c'est pas juste en tout cas envoyer un mail en disant coucou, on fait de la musique, voici un lien et dis-nous ce que t'en penses. Dans le sens où je trouve que maintenant, beaucoup de personnes en tout cas, je pense, s'imaginent que le tourneur va apporter 80% ou 90% de tout le boulot autour d'un groupe, alors qu'en réalité, je pense que la base, heureusement, en fait, c'est la musique en fait que le groupe va faire. Donc, il faut que chaque groupe, pour moi, je pense que j'en pense pas, mais
que le groupe ait vraiment une idée globale de ce qu'il veut, de là où il veut aller. Et dans le mail, c'est important de le signifier, de montrer en fait où est-ce qu'il veut aller, l'entourage qu'il y a. Enfin, vraiment avoir cette possibilité de se définir correctement, quoi, je pense. Enfin, après, je ne sais pas toi ce que tu en penses, Jean-No, mais voilà, quoi. Enfin, je ne sais. Ouais, ben non, mais t'as totalement raison. Je pense que le fait de se différencier aujourd'hui, c'est peut-être un peu la clé. Olive, ta question, c'était comment nous on se positionne par rapport à un projet comment vous pouvez positionner un projet artistique? Comment vous le positionnez dans les musiques actuelles aujourd'hui, quoi? C'est-à-dire quand on nous démarche, c'est ça? Bah, comment l'intention de l'artiste, comment tu la reçois? Okay. Comment tu la conseilles tu vois, genre, Amine, il a dit effectivement un truc intéressant là, qui est l'histoire de se différencier par rapport à la masse, parce qu'aujourd'hui, avec le volume de propositions qui existent, il est évident que les tourneurs, mais comme les labels, comme les éditeurs, les managers et tout, sont sursollicités. Et il y a effectivement un point qui est très important, Amine l'a dit, l'a souligné, c'est le propos artistique. Déjà, bon, il faut être convaincu que sa musique, c'est la meilleure musique du monde. Et puis voilà, il n'y a pas de crise d'ego, en tout cas d'angoisse à avoir par rapport à ça. Il faut être convaincu de son truc. Et puis surtout, faut pas envoyer des choses dont on n'est pas fier à 150%, quoi. Ça, c'est toujours un truc un peu particulier, mais je recommande vivement l'exercice de est-ce qu'on est prêt, par exemple, à le faire écouter à sa mère, à son père, à son cousin, et est-ce qu'on en est fier en repas de famille, vous voyez, est-ce qu'on n'a pas un peu le cul un peu serré comme ça en se disant « Ah merde, là, je l'aurais peut-être pas fait comme ça. » Vous voyez un peu ce truc-là de « Ah, attends, non, en fait, c'est pas encore à 150%. » quoi. Déjà, c'est ce premier truc, être sûr en fait qu'on assume à 150% son propos artistique avant de contacter un potentiel tourneur. Quoi. Ouais, effectivement, il faut lui donner la matière la plus qualitative possible, ou en tout cas celle qui vous correspond le plus. Et ensuite, et je pense que ça fait… je ne sais pas si on peut parler en pourcentage, mais en tout cas, c'est pour moi tout aussi important. Je rebondis sur un truc que je disais juste tout à l'heure, c'est le fait de raconter une histoire. Et je pense que raconter une histoire aujourd'hui, c'est tout aussi important que le propos musical en lui-même. Raconter une histoire, ça peut être… C'est hyper vague, hein, effectivement, dit comme ça, mais ça peut être tout un tas de trucs différents, quoi. Quand Amine, il dit… il faut savoir où on veut aller, il faut savoir raconter quel est l'entourage, qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'on a truc et tout. Effectivement, c'est plein d'outils, plein de clés, voilà, qui peuvent être utilisés pour pouvoir rédiger, j'ai envie de dire, une histoire autour d'un projet, comment on le définit, comment on le raconte, comment on le pitch, c'est un peu un gros mot, mais comment on le pitch, quoi. Mais il y a aussi plein d'autres choses, parce que si ça tenait que à ce qu'on a entre les mains, à savoir, j'en sais rien, un entourage, un CV et tout ça, ben, il y a un certain nombre d'entre nous qui peut-être n'auraient pas beaucoup de choses à raconter, parce qu'on n'a peut-être pas encore fait beaucoup de choses, parce que justement, on n'a peut-être pas encore voilà, beaucoup de choses à raconter. Et donc, du coup, ça va être la manière dont vous allez raconter les choses qui va faire la différence. Et désolé, je suis un peu long, mais c'est super important. C'est que Amine, je suis sûr qu'il ne me contredira pas là-dessus. Quand on reçoit des propals, quand on est démarché par des artistes, on reçoit des mails genre qui sont grand comme as, avec des liens en veux-tu en v'là, avec plein de visuels, plein de choix de vidéos, plein de des playlists SoundCloud, des trucs, des CV, des revues de presse, des trucs et tout ça. Mais effectivement, en fait, tout ça, c'est pas forcément nécessaire, parce que déjà, de un, le booker ou le DA dans une maison de disques, il a pas de temps. Et puis surtout, en fait, ça envoie pas du rêve, parce qu'en fait, on ouvre le mail et puis on a cache un truc comme ça, on se dit « Oh, ouais, on ne sait pas du tout où aller, effectivement. » Un quart d'heure cache déjà à ne serait-ce que lire tout le merdier, quoi, tout le tintouin. En fait, il faut démarcher les gens et leur raconter des histoires toutes simples, ouais. En fait, avec des mots très simples et avec le moins de volume possible, pouvoir en deux, trois phrases réussir à raconter qui vous êtes, où est-ce que vous voulez aller, avec les bons mots. Avec peut-être le bon vocabulaire, le bon champ lexical aussi qui définit le projet. Pas forcément, en fait, le style de musique, pas forcément la référence. Voilà, je ne sais rien, vous êtes super influencé par tel groupe de hardcore ou tel groupe de house, j'en sais rien, puis me placer absolument les noms et tout ça. Mais en fait, racontez votre truc à vous et en tant qu'artiste et passez du temps. Et je crois que c'est le...
La chose que je ne cesse de répéter tout le temps là-dessus, mais passez vraiment du temps à faire cette introspection, vous, devant une feuille, à dire qui est-ce qu'on est en tant qu'artiste, comment on raconte les choses, comment on a envie qu'un jour la presse puisse parler de nous, comment on a envie que les salles, les programmateurs, les futurs bookers, les managers avec qui un jour on va peut-être travailler vont parler de nous, en fait. Et en fait, de poser des mots très précis sur qui vous êtes et de le faire de manière la plus concise possible, ben en fait, ça va peut-être être quelque chose d'imparable, en fait, quand on va le lire et on va se dire, tiens, en fait, on va vouloir écouter quelque chose. Mais pas 12 playlists, 12 liens vidéo, 12 trucs, peut-être aussi juste un titre qui, selon vous, est le plus... Enfin, voilà, essayez vraiment de diriger comme ça la pensée plutôt qu'envoyer, en fait, des pâtés comme ça. Voilà. Ouais, puis je trouve que, comme tu dis, Jean-Lou, en fait, il y a un peu ce truc où envoyer un mail, c'est cool, mais je trouve que ce n'est pas forcément le plus important dans le sens où... parfois quand t'as un groupe, c'est bien aussi en fait de se bouger soi-même le cul en fait et de faire son petit chemin, d'essayer de comprendre aussi comment ça fonctionne et surtout c'est toujours hyper intéressant en tant que groupe en fait de réussir soi-même à attirer en fait les bookers et les partenaires autour de toi dans le sens où c'est pas juste je fais ma musique, c'est bon, mes prods, elles sont prêtes. Maintenant, je vais les envoyer à des gens et faire un mail, comme tu dis, de 40 000 pages, en fait. Je trouve ça hyper intéressant, en fait, je trouve que le truc le plus sexy pour un groupe, le plus classe, c'est, en fait, d'envoyer déjà, ne serait-ce qu'un seul lien SoundCloud à des tourneurs ou des labels et que les labels se disent en fait, je connais déjà, tu vois. Dans le sens où le groupe, il a déjà fait tout son petit chemin parce que je pense qu'un tourneur ou un label ou je ne sais qui d'autre, on va jamais apporter... Enfin, c'est vous, le groupe, en fait, en réalité. Et je pense que nous, on va peut-être représenter... je ne sais pas si c'est d'accord là-dessus, Jean-Noël, mais je pense que nous, on doit représenter peut-être 30-40% en fait, de tout un projet. Nous, on est là, en fait, pour s'attacher en fait à toute une base en fait et la rendre plus sexy et la faire connaître aux yeux de tous en fait. Je pense que c'est aussi ça notre boulot. Nous, on va pas, je trouve, inventer votre musique, on va pas la créer, on va enfin tout part de vous en réalité. Donc je trouve ça hyper moi j'adore en fait les groupes en fait qui décident dès le début de pas forcément contacter des tourneurs et de faire son petit chemin en allant se renseigner auprès de... Enfin, je sais que moi, je viens de Nancy et je sais qu'à l'époque où j'avais un groupe, j'avais envoyé aucun mail à aucun tourneur. En fait, je m'étais renseigné auprès des... Ben, c'est con, des chargés d'accompagnement dans les SMAC dans ta ville. Tu te renseignes, tu vas voir en fait tous les dispositifs d'accompagnement qu'il y a dans la région. Et je trouve que c'est de la part d'un tourneur, enfin, c'est ensuite nous, par rapport à ce genre de démarche, que des tourneurs sont venus nous voir. Bon, après, moi, c'était il y a 6-7 ans. Hein. Donc, qui suis-je pour raconter ça? Mais je trouve qu'il y a tout un cheminement à avoir et une pensée par rapport à tout ça. Je pense qu'il n'y a pas ce truc de tu finis ta musique et hop, tu l'envoies à un tourneur comme ça. Quoi. Je trouve que ce ne sera jamais sexy pour nous, en tout cas. Enfin, alors, sur le tour de table, il y a quelques musiciens, mais ce n'est pas que des musiciens, donc pas que ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont en attente de... Mais c'est vrai qu'on parle comme s'il n'y avait que des musiciens. Mais beaucoup d'accompagnement, justement, sur vos rôles à vous. Alors, ce n'est pas que forcément Amine, que toi, que du booking, et j'en ai encore plus que ça, sur le développement d'artistes, sur l'accompagnement d'artistes, justement, sur vraiment vos métiers, vos cœurs de métier. En gros, ça correspond à quoi exactement vos activités? C'est parce qu'au-delà d'aller vous contacter pour être au booking, je pense que dans le développement de l'artiste, c'est quoi vos rôles sur ces questions-là, dans vos métiers à vous? Sur Coldflame, par exemple, quelles sont vos activités vraiment, que les gens comprennent vraiment ce que vous faites exactement au sein de Coldflame ou au sein de la Lune, hein. Ouais, d'ailleurs, je sais pas, Olive, si tu es d'accord, mais si vous avez la moindre question. Ah oui, n'hésitez pas, parce que là. D'accord, si vous avez un truc, vous voulez réagir, vous n'êtes pas d'accord, vous avez envie de taper Amine, on s'organise. Hein. Tout de suite. Vraiment, tout de suite. Ah ouais. On se met à plusieurs, mais en non présentiel, c'est compliqué. Mais reste. Chez Coldflame, comme je disais, nous, on est une petite agence et on fait vraiment beaucoup, beaucoup de développement. On n'a pas de gros headliner, on n'a pas de gros noms, on n'a que des artistes en développement. Donc, naturellement, cette notion de développement, là, comme on l'appelle, d'accompagnement, elle est ultra présente chez nous et on se rend bien, bien compte que notre métier, il est hyper transversal dans le sens où ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de...
de piliers différents, j'ai envie de dire, du développement d'un artiste. On ne peut pas vraiment faire de schéma et tout ça, mais c'est vrai que si on récapitule les trois grands corps de métier, la production phonographique d'un côté, les éditions musicales d'un autre, la production de tournée de l'autre, chez Colfem, en fait, il est vraiment pas rare qu'on empiète un peu sur le métier de l'autre et puis on va commencer à faire un peu de promo, par exemple. On va essayer de se bouger le cul pour faire rencontrer, j'en sais rien, des labels, des DA, d'aller libérer des budgets, par exemple, pour investir dans, je sais pas, de la création, des répétitions, un clip, ça s'est déjà vu. Enfin, plein de choses différentes. Je suis sûr, chez À Gauche de la Lune, c'est un peu le même principe. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'en fait, tout ça, c'est un cercle vertueux, quoi. C'est un cercle vertueux et c'est des métiers qui fonctionnent les uns avec les autres. C'est des métiers qui sont vraiment interdépendants. Ouais, j'ai vu, Élise, que tu avais une question. Ouais, merci. Et justement, quand tu disais quand vos métiers, ils empiètent, entre guillemets, comment ça se passe, la coordination, du coup, entre vous tous ? Parce que pour moi, ça s'est produit un petit peu, là, entre le label qui a pris notre artiste et nous, ce qu'on fait nous, on s'est retrouvé. Bon, ben, le label a des grosses entrées. Donc, pour la com, on va dire qu'ils ont touché les gros médias. Mais l'artiste qu'on accompagne, Lewis, a voulu quand même que de notre côté, on démarche également. Donc, on a touché des plus petits médias, on va dire. Mm-hmm. Et voilà, on a fait un peu le même, on va dire, le même boulot à un moment donné. Et sur la coordination, là, c'est un peu flou pour moi. Si tu veux... Ce qui est hyper important, et ça, nous, et je suis Amine, c'est le même principe, et tout le monde y revient tout le temps, mais ça doit, c'est d'avoir vraiment une vision le plus claire possible de ce qu'est cette industrie musicale. Qu'est-ce que c'est l'industrie musicale ? De quoi elle est composée ? Qui sont les différents acteurs de l'industrie musicale ? On parle de l'industrie musicale avec un gros mot, comme un gros mot, c'est une vraie montagne de merde d'ailleurs. On se dit, putain, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Alors qu'en vérité, ce n'est pas si compliqué. Comme je disais, il y a trois grands corps de métier. Il y a les artistes qui sont au centre de tout ça, leurs managers qui les entourent. Et puis ensuite, il y a des interactions avec tous ces différents corps de métier qui font qu'on arrive à construire peut-être une carrière ou en tout cas un début d'histoire, ainsi de suite. Si maintenant, il y a effectivement plusieurs partenaires autour de la table, on va dispatcher potentiellement les tâches en fonction naturellement des corps de métier sur lesquels on travaille, mais il n'est pas rare effectivement que des fois il y a quelques frottements, et généralement c'est pour le mieux puisque c'est pour le bien du développement de la carrière de l'artiste. Simplement qu'en fait il faut le faire en tout état de, enfin en toute connaissance de cause. Nous en tant que tourneur par exemple chez À Gauche de la Lune, si À Gauche de la Lune, Amine par exemple de son plein gré va commencer à contacter quelques je sais pas, ses potes journalistes, j'en sais rien, chez New Noise, chez Les Inrock, truc, ainsi de suite. Il fait 2-3 mails parce que naturellement, c'est des personnes qui sont dans son carnet d'adresses. Il va pouvoir. Mais tiens, tout d'un coup, il fait le travail de l'attaché de presse. Attaché de presse qui, normalement, dépend plutôt de la partie production phonographique, la maison de disques. Bon, mais il faut simplement le faire en toute connaissance de cause et pouvoir discuter avec l'artiste, ou en tout cas, si vous le faites vous ou les artistes que vous accompagnez, vous dites OK, ça appartient en fait à un autre corps de métier. Normalement, ça a une certaine valeur, ça a un certain prix, on profite de ça. Qu'est-ce qu'on en fait, cette information ? Vous voyez, en fait, il faut, je ne sais pas comment dire, si je suis très clair par rapport à ça, mais toujours avoir une vision la plus claire possible de qui fait quoi et où quoi. Quand on est en studio, par exemple, ou dans quel corps de métier on est ? Bon, on est dans la production phonographique, purement et simplement. Quand on contacte un journaliste, on est où ? Quand on contacte un tourneur ou quand on contacte une salle, on est où ? Ainsi de suite. Et en fait, se dire, OK, tout ça, c'est bien séparé, c'est interdépendant, c'est sûr, mais les enjeux, ils sont différents. Les manières de communiquer avec les gens, elles sont différentes. Les impératifs économiques, les délais, les deadlines, c'est plein de petites subtilités comme ça qu'il faut essayer d'avoir bien à l'esprit, quoi. Et parce que du coup, toi, Alice, tu dis ça dans le sens où tu as eu certains conflits par rapport à ça, justement, comme tout était un peu flou ou… Non, pas du tout. Non, pas de conflit, absolument pas, non. Simplement, je me suis demandé, comme on commençait, si, pas j'avais le droit, mais je pouvais faire la même chose que ce que faisait le label de son côté, quoi. Même si je savais que je ne contactais pas du tout les mêmes médias, pour le coup, moi, c'était plus les plus petits médias. Non, il n'y a pas eu de conflit du tout, mais voilà, j'arrivais pas trop à savoir ce que j'avais le droit de faire, entre guillemets, quoi. Enfin, alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais oui, vas-y. Il n'y a pas de conflit avec le label qui accueille Lewis, mais il y a un peu une ignorance de leur part vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'ils ne nous calculent pas vraiment, quoi.
alors qu'on fait partie de... Mais c'est classic shit, ça, c'est classic shit. Ouais. Il faut justement leur prouver que justement, en fait, vous êtes prêts là, vous, à vous retrousser les manches, et puis sans doute que vous allez le faire encore mieux qu'eux, parce qu'il n'y a rien ni personne, en fait, sur Terre qui défende mieux le projet Lewis-Hoffman, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est Lewis tout court. Lewis tout court. Lewis. Lewis que vous. Et en fait, justement, ensuite, il faut que ça se fasse en bonne intelligence. Si vous dites que vous n'aviez pas les mêmes cibles, en fait, c'est très bien. Dans la promo, il y a plein de choses. Il y a les PQR, la presse nationale, les radios, les télés, il y a plein de trucs différents. Si vous aviez votre cible, c'est très bien. Transparence absolue avec le label en face. Et derrière, compte rendu. Bon, ben voilà, les gars, nous, on a réussi à faire ça, 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 ça et tout ça. Enfin, tout est question de communication, en réalité. Hein, exactement. Et ensuite, c'est des plus-values de ouf pour votre artiste, pour Lewis. Et j'en reviens un peu à ce que disait Amine tout à l'heure. Mais soyez proactif, vous, en tant soit qu'artiste ou en tant qu'accompagnateur d'artiste, parce que plus vous allez faire des choses vous-même, par vous-même, sans avoir besoin de qui que ce soit, plus justement, ça va intriguer toute une sphère professionnelle qui se dira, putain, il se passe des choses autour de cet artiste-là, quoi. Que ce soit vous directement en tant qu'artiste ou structure accompagnatrice, même si ça empiète sur des choses que vous n'étiez pas censé faire dès le début. Un artiste qui monte ses tournées, par exemple, par lui-même au début de sa carrière, par exemple, en fait, effectivement, son but ultime, normalement, ce n'est pas de monter des tournées, c'est bien d'être en tournée et de faire un concert. Mais pourtant, c'est par cette étape-là que le tourneur, en fait, va commencer à s'intéresser à lui en se disant, putain, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Ouais, c'est clair. Chez nous, là, très récemment, on a signé un groupe de genre post-hardcore, noise, un truc un peu énervé du côté de Bordeaux. Aucun entourage, si ce n'est effectivement une petite structure plutôt cool, Maximum Tour, un gars. Qui comme groupe, juste comme question. Ça s'appelle Wizard. Ah oui, ils sont accompagnés par la pépinière du Krakatoa, je crois. Exactement, là, ils ont signé leur accompagnement. Et puis, mais il n'y a pas d'entourage, tu vois. Et puis nous, on est là en tant que tourneur parce qu'on kiffe le groupe, on a vu en résidence, on a écouté les titres, on s'est dit, vas-y, franchement, je sens, mais on y va, ça défonce, ça s'utile. Mais nous, aujourd'hui, on n'a rien à raconter, quoi. Ils n'ont même pas un EP dehors, ils n'ont pas d'attaché de presse, pas de trucs, etc. Enfin, on n'a rien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, en tant que tourneur, aujourd'hui, on se retrousse les manches, on dit, on va contacter la presse. Et puis voilà, avec mon petit ordinateur, je me suis fait le tour de tous les journalistes, alors que c'était pas mon métier de base. Mais en fait, ça sert tellement le projet qu'aujourd'hui, c'est avec toutes ces fondations-là que demain, le booker en l'occurrence qui s'occupe de Wizard chez Golfem, va pouvoir monter des tournées. Enfin, c'est tout ça, quand je dis que c'est interdépendant, c'est parce qu'on ne peut pas se dire « Allez, on va confier la tournée, par exemple, à un tourneur et puis en attendant, on peut composer et puis on attend qu'il nous monte des trucs. » Il faut être en chien plus que jamais. Le jour où vous allez signer, où vos artistes vont signer avec un tourneur, que vous allez, je sais pas, trouver un contrat, ce sera le jour où il faudra mettre toute l'attention justement sur la partie tournée en disant mais on laisse plus rien passer, justement on va leur foutre le feu au cul, on va leur foutre la pression de ouf. Et justement, vous voyez un peu le principe, quoi. C'est ce truc là en fait. Au début d'une carrière, on fait tout seul, puis on s'entoure de partenaires, pas de prestataires, quoi. La différence, elle est vraiment hyper importante. C'est des gens avec qui on travaille, quoi, avec qui on dialogue, avec qui on communique, avec qui on donne des choses, qui nous donnent des choses en retour. On se stimule les uns et les autres, on est proactif. C'est une histoire de feu, les gars, ça. Je pense que je disais repositionner l'artiste avec tout un accompagnement, alors évidemment arrangeur, après, à différents niveaux évidemment. Ce que tu disais, est-ce que tu conseillerais donc d'être tout à la fois, d'être tourneur à la fois, de la structure accompagnatrice, tourneur développement, de tout gérer à la fois, le tour. Mais peut-être au moins au début, en tout cas. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est hyper important au début, de même si après tu vas être amené à avoir des partenaires, donc dans le tour, dans le disque, etc. C'est hyper important quand même, de quand au bout d'un moment tu donnes ton bébé à d'autres personnes, de savoir aussi de quoi ça parle. Je trouve ça hyper important, quoi. Oui, et puis de créer un lien de confiance, forcément. Ouais, parce qu'en fait, comme l'a dit Jean-Noël, enfin c'est pas juste tu vas pas juste travailler avec des personnes. Je trouve que c'est aussi une histoire. Enfin, je pense que Jean-Noël, comme nous chez Agojaline, on a une manière très familiale de travailler, quoi. Donc je veux dire, moi mes artistes c'est mes enfants, quoi. Donc on a vraiment ce truc où moi, je pourrais jamais travailler avec un artiste parce que je sais qu'il va pouvoir me rapporter 1 million d'euros, quoi. Enfin, en réalité, je veux dire, il y a vraiment ce truc. Il y a vraiment un truc très très familial. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, bien évidemment, parce qu'il y a différents types de boîtes, etc. Mais je sais que Jean-Noël partage
ces mêmes valeurs. Et je pense que c'est hyper important, en fait, de savoir de quoi ça part, en fait, dès le début, quoi. Parce que... Justement, c'est pour ça qu'on vous a invité à cette rencontre, c'est parce qu'on partage les mêmes valeurs que vous et on n'est pas dans des... on n'est pas dans des gros... des grosses maisons, hein. On sait que comment vous travaillez. Moi, je travaille avec la Gauche de la Lune depuis au moins 95, depuis quasiment la création d'un, je connais, je crois que c'est la première boîte avec qui j'ai travaillé en tant que programmateur. J'avais 4 ans. Ouais, je me permets de dire que je l'ai rencontré au début de la semaine. Et justement, je trouve que c'est un parfait exemple de réussite et de, on le voit à travers ses propos là, aujourd'hui dans la rencontre de Saniac. Yannick, si elle a le moteur aussi pour y arriver, c'est au-delà de la passion aussi, il y a Yannick d'y arriver et de un peu gérer un peu aussi, comme tu disais, tout est relié forcément, il n'y a pas que la diffusion, l'édition, tout est forcément lié et c'est de côté de maîtriser un peu, d'avoir la main sur tous ces secteurs justement qui ne font qu'un sur le développement d'un artiste. Ouais, carrément. Je rebondis juste sur un truc que tu as dit, Olive, je recommande pas de vouloir tout faire. Oui. C'est pas ce que j'ai envie de dire. C'est une nécessité. Mais en fait, c'est pas tant que c'est une nécessité, c'est que. Au début, en tout cas, au début, quand tu. Ouais, je suis d'accord. Au début, de toute façon, c'est important de tout faire. Mais c'est important, par contre, d'arriver à bien segmenter, quoi. À vraiment bien segmenter et se dire, OK, on est en train de faire et peut-être on est en train de tout faire. D'avoir toutes les casquettes, mais bien se dire qu'on a des casquettes de marques différentes là, et qu'on va un coup prendre cette casquette et un coup une autre et ainsi de suite. Et en fait, ça va correspondre à des métiers et peut-être des piliers, peut-être des gens un jour avec qui on va travailler. Et en le faisant nous-mêmes, on se rend compte aussi potentiellement de ce que l'on peut attendre d'un futur partenaire. Ça, c'est hyper important, quoi. Des fois, quand je donne des formations, je rencontre des artistes comme ça, je dis, mais en fait, pourquoi vous voulez signer chez un tourneur? C'est un peu strict. Quoi. Qu'est-ce que vous attendez d'un tourneur? Bah, pour partir en tournée. Ouais, d'accord, très bien. Mais pour faire. Pourquoi partir en tournée? Gagner des millions. Parce que, en vérité, partir en tournée, bon, ben oui, c'est cool au départ, c'est chouette. Les premiers mois, on s'éclate, ainsi de suite. Et puis, au bout d'un moment, ça commence à devenir casse-couille. Puis, on ne sait même plus pourquoi on le fait. Puis, on est crade. Puis, on est fatigué. Puis, on ne gagne pas un rond. Intermittent. Puis, on capte rien comment ça marche. Tout ça. Ainsi, ce que je veux dire, c'est que. Qu'est-ce qu'on a envie d'écrire avec notre projet? Où est-ce qu'on a envie d'aller, quoi? Où est-ce qu'on a envie d'aller demain et après-demain et puis dans un mois et puis dans un trimestre et puis dans 6 mois et dans un an? Ok, bon ben là on est demain. Est-ce qu'on a réussi à faire ce qu'on avait envie de faire? Non, viens, on ajuste, on regarde le truc. Et en fait, en le faisant nous-mêmes, ces choses-là, on sait ce qu'un jour on va pouvoir demander à un tourneur. On sait qu'on veut aller signer chez un tourneur parce qu'on a envie d'aller choper les bonnes 12 dates, par exemple, étalées sur le Nation avec une belle visibilité ou sur un support, une première partie de tel artiste qui va nous permettre d'intégrer, par exemple, plutôt une scène ou plutôt d'aller faire tous les clubs, cafés, concerts, par exemple, je ne sais rien, d'une grande région, par exemple, pour essayer de créer un tapis. Plutôt, vous voyez, en fait, moi, c'est ce que je dis, par exemple, à nos bookers, là, chez Colfem, c'est que je dis tout le temps, il faut toujours avoir une raison de faire une date de concert. Il faut toujours savoir expliquer pourquoi on fait une date de concert. C'est pas juste... Si la raison, c'est avoir le plus de dates de concert possible, ça peut être ce qu'on appelle le volume, quoi, la tournée par le volume, les tournées suicides, et puis vas-y, on fait des grosses affiches de tournées, on montre que le groupe tourne. Ensuite, les programmateurs comme Olivier, les tourneurs comme Amine, sont pas débiles non plus. Ils voient bien qu'il y a plein de petits cafés-concerts, de petits bars, de petits trucs, ainsi de suite et tout, mais ça prouvera quelque chose, ça envoie du signal. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je vous raconte, mais voyez qu'en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie, en fait, qu'est-ce que vous avez envie en tant que groupe, et puis... Et ça, ma foi, les gars, à part vous poser le cul sur une chaise et se dire de quoi j'ai envie, en fait. Où est-ce que je vois Jax demain? Où est-ce que je vois Lewis demain? Où est-ce que, Quintana demain? Je pense que ça. C'est dommage que Pierrot n'a pas de micro parce que je pense que ça lui parle, parce qu'il fait figure de vétéran dans la Réunion. Il pourrait en parler justement avec plus de 70 dates par an et sans tourneur, sans rien du tout, sans manager. Est-ce que c'est dommage qu'il n'y ait pas son micro ne marche pas, parce que j'aimerais bien l'entendre aussi s'exprimer. Que tu m'entends là. Ah, ça y est, Pierrot, juste avant ton retour sur justement, je le connais personnellement, Pierrot, mais je le connais depuis des années et des années. Justement, comment toi tu. Comment je pourrais tourner la phrase Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta carrière, tu te dis que tu as encore besoin d'un tourneur, etc., etc.
Par la force des choses, moi, ça fait des années que je fais tout seul, depuis mes premiers groupes. Donc, j'ai toutes les casquettes, mais c'est resté quand même à mon échelle et j'ai eu du mal à passer un cap. Donc, j'arrive, enfin, mon projet est viable parce que je suis seul et parce que je joue dans les bars et dans les festivals, je joue partout. Donc, financièrement, tout ça, ça fonctionne. Au niveau développement, ça reste quand même. Enfin, j'arrive pas à passer un cap. Donc, quand je parle d'un tourneur, quand je fais une recherche de tourneur ou de. Encadrement, c'est vraiment pour passer ce cap et pas rester le groupe local qui tourne dans toute la France, en Espagne et tout, mais qui reste quand même local et qui fait. Voilà. C'est ça ma demande, ma recherche depuis des années. Donc, Carrément, et je pense que tu vois, Pierrot, moi je suis aussi ce que tu fais, je lis aussi tes mails et je suis du coin de l'œil, mais. Tu vois, ça, c'est un vrai besoin aujourd'hui. Et ce n'est pas le besoin de date de concert. Ce n'est pas le besoin de tourner partout parce que tu le fais déjà, quoi. Mais le besoin aujourd'hui, c'est de passer un certain step pour raconter quelque chose d'autre. Et peut-être qu'en racontant quelque chose d'autre, ça va devoir passer par faire moins de dates de concert, faire peut-être des dates de concert un peu plus précieuses. Tu vois, peut-être plus qu'aller choisir le bon spot ou peut-être t'intégrer dans une scène, même si elle est déjà bien définie, la tienne et ton style musical. Peut-être passer une frontière au bout d'un moment, je ne sais pas. Je dis n'importe quoi, hein, tout ce qui me passe par la tête. Mais vous voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut réussir à définir en fait, des choses qui sont très précises et pas uniquement se dire qu'on veut s'entourer. Et ça vient d'un tourneur, mais on peut parler d'un label, on peut parler d'un éditeur, d'un manager, d'un agent, je ne sais pas où, en Ouzbékistan. En fait, pourquoi on veut travailler avec des gens, quoi? Pourquoi on veut s'entourer? Pourquoi on veut avoir un entourage? Sachant que les gars, bon, soit vous êtes accompagnateur de vos artistes, soit vous êtes artiste directement, mais il n'y aura jamais personne mieux que vous qui défendrez vos projets. Hein. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que c'est vous qui savez où vous voulez aller. C'est vous qui savez qu'est-ce qui correspond là à ce que vous avez dans le cœur ou pas, quoi. Quand tu as mis le booker, il fait 30-40% du travail. Ouais, parce que le booker, les gars, n'oubliez pas ce que c'est. Hein. C'est un mec qui a du réseau, qui a su tisser des contacts en fait, plutôt cool avec plein de programmateurs, plein de programmatistes, plein de festivals, qui a la tchatch. Vous voyez comment il est, Amine. Puis au bout d'un moment, il vend des concerts, il place, il bim, bim, bim. Et puis voilà. Mais fin, il raconte une histoire par la tournée qui monte, évidemment. Mais en fait, c'est comme on le disait, hein, on resitue les trucs et tout ça. À côté, il y a un disque, à côté, il y a la promo, il y a les éditions, il y a l'écriture, il y a plein de choses, quoi. La tournée, les dates de concert, c'est juste une partie de ces choses-là. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? Comment vous voulez qu'on parle de vous ou de vos artistes? Voilà, c'est ces questions, en fait, qu'il faut se poser, quoi. Justement, Farah, tu avais une question? Ouais. En fait, c'était pas spécialement du coup par avoir à s'entourer, avoir un tourneur, etc. Mais c'était plus dans le processus de booking. Enfin, parce que du coup, je trouve que c'est une tâche qui est quand même assez fastidieuse. On peut repérer plein de salles, plein de trucs hyper cool, mais alors soit au début il n'y a pas les supports pour le groupe qui vont bien, mais bon, on ne peut pas non plus harceler tout le temps les gens. Enfin, c'est comment trouver la bonne approche en fait pour contacter les salles ou les radios, etc. quoi. C'est un peu quels seraient vos conseils par rapport à ça, quoi. Amine, je t'en prie. Amine. Attends, donc du coup, toi, tu veux savoir ouais, comment attirer toutes les salles pour pouvoir te booker toi-même? Ouais, ben en gros, c'est pas attirer, mais comment être un peu efficace dans le booking. Et parce que, enfin, de ce que j'ai vu, c'était assez fastidieux, quoi. Tu te démarches une salle une fois, t'as pas de réponse ou t'as une réponse négative, voilà. Enfin, c'est ce genre de truc. C'est vrai que comme dit Jean-No, c'est pas, enfin, le travail de booker en réalité, c'est pas juste envoyer des mails. Il y a vraiment tout un travail de réseau, etc. Et je pense que en réalité, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des réponses. C'est aussi tous nos déplacements. C'est genre, il y a beaucoup de social en fait dans notre boulot. Donc après, c'est aussi toi, comment tu contactes aussi les autres salles, comment tu te mets en avant, encore une fois tout ce qu'on disait tout à l'heure, comment tu montres en fait aux yeux des programmateurs que toi-même tu crois à fond à ton projet. Est-ce que en fait ce que t'envoies peut-être que c'est beaucoup trop indigeste? Enfin, après, toi, en fait, quand tu envoies des mails, tu les appelles, les gens, ou tu fais comment? Ça dépend. En gros, j'ai eu un peu de stratégie, mais bon, après, il y a eu la pandémie aussi. Donc, ça n'aide pas spécialement. Mais disons que d'abord, j'ai envoyé des mails. Après, bon, on a un peu raccourci et tout, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne servait à rien d'envoyer des pavés. Ouais, quoi. Mais tu sais, ouais. Au final, je veux dire, je pense que moi, personnellement, ça fait que 4 ans que je suis booker, même pas. Je pense qu'il y a encore 3 ans, j'étais un petit stagiaire.
Et en réalité, je suis moi-même passé par, par ce que tu vis toi en ce moment. Hein. Tu vois, enfin, je veux dire, ça, je pense que ça ne vient pas comme ça. Moi, j'ai trimé à envoyer des mails, personne ne répondait. Et en fait, c'est une histoire de... En fait, il ne faut juste pas que tu baisses les bras. Il faut que tu aies la niaque, que tu y ailles. Tu vois, enfin, moi, je passais mon temps à me faire moi-même des putains de bases de données. J'appelais tout le temps tout le monde. Si je n'arrivais pas à voir telle personne, j'essayais de constamment contourner en disant « Ah, bah, peut-être que cette personne-là, je la connais. Elle pourrait peut-être m'aider à voir cette personne-là au téléphone. » Et en fait, je trouve que les débuts en tant que booker, quand tu n'as vraiment pas de réseau, c'est les moments les plus durs, mais en même temps les plus excitants. Quoi. Parce qu'au final, après, en fait, ça, tu te rends compte que quand tu as construit toi-même ton réseau, et ben, c'est hyper excitant. Enfin, c'est un peu comme tout dans la vie aussi. Tu vois, enfin, genre, si tu te balles, tu vas à fond et que tu ne baisses pas les bras, parce que bien évidemment, enfin, je veux dire, même moi encore maintenant, il y a certains provinceurs que je ne porte pas dans mon cœur, et pareil, et inversement, ils ne vont pas me répondre. Mais ça n'empêche que parfois, bah, je ne lâche pas l'affaire, j'y vais et au final, je réussis à avoir mes dates. Je pense que toi... à ton niveau et moi à mon niveau, enfin, en réalité, on n'a pas tant de différence que ça. Tout est une histoire de niaque et d'énergie à donner, en réalité, tu vois. Et ton réseau, tu vas te le construire. Il suffit que tu aies un petit peu la tchatche. Et comme disait Jean-Luc tout à l'heure, que tu crois à fond à ton projet, enfin, je veux dire, c'est... Enfin, je sais pas, enfin, moi, si je suis amoureux de quelqu'un et que je l'appelle et que je lui dis que je suis amoureux, si c'est sincère, elle va faire « Oh, waouh, c'est beau ce que tu me dis ben, ». En réalité, c'est la même chose, tu vois. Enfin, c'est un peu bisounours, hein, ce que je dis depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. Enfin, si tu, enfin, les gens, enfin, je veux dire, on bosse tous quand même dans la musique, en réalité. Donc, la musique, c'est quand même quelque chose de beau. Donc, les gens, enfin, on n'est pas en train de vendre des parfums ou genre de la lessive. Donc, si tu arrives à parler de ta musique et que tu en parles... honnêtement et avec le cœur, en réalité, ça va marcher pour toi, quoi. Tant que, si tu trouves toi que ta musique elle défonce et que tu peux aller hyper loin, franchement, vas-y à fond. Hein. Mais c'est sûr à 100% que ça va pas arriver comme ça. Et je pense que c'est pareil pour n'importe quoi dans la vie. Oui, c'est sûr. J'ai vu qu'il y avait deux questions. Je voulais juste répondre vite fait à Farah, juste donner deux, trois tout petits tips et tout ça pour se dire qu'effectivement, Amine, il a trop raison. De toute façon, c'est une histoire de long terme aussi, hein, c'est-à-dire que le booking, ça prend du temps. Et plus tu passes de temps à faire du booking, plus c'est facile. Aujourd'hui, je suis sûr qu'Amine, il est d'accord avec moi. Le booking, c'est facile. Hyper simple, ouais, maintenant, ouais. En fait, tout le monde pense que le booking, c'est la purge, mais en vérité, ni Amine ni moi passons beaucoup de temps aujourd'hui à monter des tournées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, il y a cette histoire de réseau qui s'est installée et qui s'est fait avec le temps. Hein. Moi, j'ai 26 ans aujourd'hui et puis je suis né dans un petit bled, il n'y avait personne, aucune introduction. Amine, c'est le même principe à Nancy. Enfin, il n'y a pas de prédisposition ou d'entourage particulier au départ et tout ça. C'est juste une histoire de temps, quoi. Une histoire de temps. Mais donc, partir de là, pas de pression. De toute façon, vous êtes tous là ou tous les artistes que vous défendez sont là pour faire carrière. Donc, s'ils sont là pour faire carrière, on a le temps, on voit à long terme et on se dit qu'il n'y a pas de pression par rapport à ça. Ok. Une fois que la pression elle est dégagée, elle est mise de côté par rapport à ça et qu'on se dit qu'on veut faire les choses intelligemment, faisons les choses intelligemment. Si demain on veut booker des dates de concert, il y a un truc qui est hyper important au-delà de l'histoire, hein, qui pour moi et le propos artistique, bien sûr, qui sont pour moi les deux choses les plus importantes dans le booking, dans ce qu'on raconte, quoi. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on fait écouter, puis comment on lui raconte, avec quel vocabulaire, avec quelle référence, avec. Je sais pas de la quelle manière. Et ça c'est à vous de le faire, quoi. Mais il y a deux, trois tips comme ça qui sont importants à garder en tête. Déjà, c'est de se dire, est-ce qu'on est effectivement prêt, comme je le disais, à démarcher ? Est-ce qu'on est prêt à démarcher ? Est-ce que le contenu, il est qualitatif ? Est-ce qu'on a la boîte à outils, en fait, qui est complète ? On pense souvent qu'à partir du moment qu'on a un son, c'est bon, on peut l'envoyer. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a plein d'autres choses, plein d'autres petits outils qui peuvent servir justement le démarchage. Je vais être très basique de chez très basique de chez très basique. Mais est-ce qu'on a une bio ? Pas une bio comme As, hein. Est-ce qu'on a plutôt pas une bio, mais un argumentaire ? Vous voyez l'argumentaire, le truc en fait avec les phrases clés, avec les bonnes punchlines, avec les bons mots, les bonnes accroches, les trucs où tu sais que dans un pitch, dans une conversation, tu vas faire la différence, quoi. Est-ce que tu as justement tes petites notes à côté de toi, ou quand tu es en téléphone, ou quand on te demande quelque chose, tu sais comment réagir parce que tu as plus ou moins anticipé cette situation-là. Dans les outils, au-delà de la bio, des visuels, je sais rien, du son,
Il y a la fiche technique, par exemple. Est-ce que tu as réfléchi à la configuration technique? Et qui dit configuration technique va dire aussi un certain type de lieu que tu vas pouvoir contacter. Et là, j'en viens à un point qui est hyper important, c'est qui est-ce qu'on contacte? Quand on dit que le booking, en fait, c'est fastidieux, c'est long, c'est relou, on n'a pas de réponse, il faut aussi remettre le fait que beaucoup, beaucoup de gens qui font du booking ne s'adressent pas aux bonnes personnes pour leur projet. Et en fait, envoyer des mails à tout va et avoir une base de données, ou encore pire, acheter une base de données ou récupérer la base de données de son voisin, c'est le pire truc à faire pour faire du booking. Une bonne base de données, c'est votre base de données, celle que vous allez faire vous, celle que vous allez en fait chercher des heures et des heures et des jours et des mois en diguant sur Facebook, en checkant « Ah tiens, cet artiste qui vous influence, sur lequel vous êtes dans la même veine que cet artiste, est passé par cette salle à ses débuts, ainsi de suite, on va voir. Ah tiens, en fait, ce n'est pas la salle qui programmait, c'était cette petite asso. Ah putain, cette asso, elle fait exactement ce genre de projet. Tiens, c'est cette asso qu'il faut que je cible dans telle ville et pas forcément les 25 autres assos, parce qu'on sait que la plupart vont faire d'autres styles de musique, vont avoir d'autres affinités, d'autres méthodes, ainsi de suite. Donc en fait, on se rend compte que dans le prisme de toutes les personnes qui sont à contacter, parce qu'il y en a un, putain, il y a combien de festivals, de promoteurs, de salles, de clubs, de trucs en France, mais les vraies personnes qui intéressent le développement de votre projet aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Ces personnes-là sont, et ces acteurs-là sont beaucoup plus minces aujourd'hui. Et ça, ça peut être recensé effectivement dans une base de données qui va être personnalisée parce que vous allez prendre le temps justement d'aller chercher plein d'informations sur ces gens. Et je ne dis pas qu'il faut faire, comment dire, du merde, je ne trouve pas le mot... Du harcèlement ou être désagréable et aller chercher toutes les infos possibles et imaginables et être weird, c'est pas l'idée. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux ou Internet de manière générale, en fait, il y a tellement d'infos toutes précieuses à aller chercher en fait sur ce que font les gens. Et quand tu contactes un programmateur et que déjà tu lui proposes quelque chose qui kiffe, et là on en revient à l'argument sensibilité d'Amine, à qui tu vas parler et il va se dire ah putain, c'est peut-être quelque chose qui peut me plaire, mais que en plus tu arrives à lui dire et à lui parler de choses qu'il a fait, qu'il a déjà fait auparavant, qu'il va faire. Il a peut-être, je sais pas, programmé un festival, il a fait telle soirée qui était particulière, tu as capté qu'il a posté sur Facebook le dernier album de je sais pas qui sur lequel tu as accroché aussi, ou alors qu'il a capté que les Grammy en fait c'était complètement bullshit, on comprend pas pourquoi Taylor Swift elle a gagné le truc, ainsi de suite. C'est que des petits éléments en fait qui font que dans une conversation, quand tu es au téléphone, un peu moins par mail, mais surtout au téléphone, justement, tu vas pouvoir créer une relation de confiance. Et j'en viens, et c'est mon dernier point, excuse-moi, mais une fois qu'on a l'outil, qu'on a l'histoire, qu'on a le propos musical, qu'on a la base de données, la seule chose que doit faire un booker de toute sa carrière de booker, c'est créer des relations de confiance avec les personnes en charge de la programmation. Et ça, on le fait que justement en discutant, là, comme vous et moi. Olivier, nous, on ne se connaissait pas en fait il y a 5 ans. Quand il a commencé à travailler avec À Gauche de la Lune, moi j'avais 1 an. Ouais. Ah, mais entre-temps, on a appris à se connaître. Moi, j'ai monté Coldframe, il s'en branlait, Olivier, il ne me répondait jamais en fait au départ quand je lui envoyais des mails. Mais par contre, hein, au bout d'un moment, ben voilà, on a affiné un peu les petites manières de présenter les choses. Et puis, hop, il y a eu la casquette Last Train, on a été introduit, on s'est peut-être rencontré à Bourges la toute première fois. Tiens, ça peut être intéressant ça. Est-ce qu'il n'y a pas des événements un peu clé comme ça, où on peut aller rencontrer des gens? Puis tiens, Olivier Dallaire, qui est une target aujourd'hui de ouf dans nos bases de données, on se dit, bah tiens, le printemps de Bourges va être l'occasion d'aller rencontrer Olivier Dallaire. Tiens, Olivier Dallaire, toi, alors Black Rebel, alors bah, je sais que si je parle à Black Rebel, à Olivier de Black Rebel, il va kiffer, cash direct, ah putain, ouais, tu les as fait, alors c'était comment et tout, comment t'as trouvé le dernier album, truc, moi j'ai trouvé qu'il était en site. Et en fait, tu captes, on est en train de parler, mais des choses qui sont à mille lieues de ton propos artistique, qui va juste venir comme une fleur à la fin. Tiens, en fait, avec Farah, j'ai développé une relation de confiance, je suis open là aujourd'hui pour écouter ce qu'elle a à m'envoyer, tu vois, et je vais passer du temps dessus. Et ce qui différencie aujourd'hui n'importe quelle personne qui veut se lancer dans le booking et Amine, par exemple, c'est que Amine, il n'est pas plus intelligent que toutes ces personnes, mais il a juste établi des relations de confiance en fait à gauche et à droite, qui fait que quand il envoie des choses, même un titre, eh ben, il l'écoute. Ah, moi, je te rejoins sur la relation de confiance et je pourrais parler pareil, je pourrais faire un mot tout seul, une rencontre Zoom sur le rôle du programmateur et le rôle du programmateur avec les artistes et avec tout ce qui est booker, exactement. La relation de confiance, tout ce que tu décris, comment
à faire son carnet d'adresses, comment choper les bonnes infos, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Pour ça, je pourrais faire une rencontre Zoom à moi tout seul. Moi, je voudrais, on arrive à 60 minutes déjà. Est-ce que, j'aimerais que je n'ai pas entendu, Paul, les Jax, Alexis, Edgar, est-ce que vous avez des questions? Profitez-en que Amine et Jean-Noël soient présents sur cette rencontre pour alimenter le propos et surtout réagir. Ouais, ouais, bah j'en profite. Bah, c'est, je suis globalement d'accord avec ce qu'il se dit. Moi, je rajouterais juste un truc. C'est. Je ne sais plus comment vous disiez ça, mais la relation de confiance, c'est également connaître. Mais ça, peut-être qu'Olivier, tu pourras plutôt rebondir bien là-dessus. C'est sur les objectifs de la salle aussi. C'est-à-dire que il y a ces réseaux-là, donc. Grande salle, par exemple la Belle Électrique, je prends cet exemple, puis tu me redirigeras Olivier si jamais, mais c'est une salle qui a quand même, je crois, c'est 1000, près 1000 de kappa et donc du coup des dates qu'il faut remplir à, je sais pas, 800, 700 par exemple, c'est tout con quoi. Mais du coup, comment on se positionne par rapport à ça et voilà, moi je sais qu'il y a, bon, j'ai eu la chance de jouer à la Belle Électrique en première partie d'un groupe qui lui remplissait ça en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a des salles qui ont un fonctionnement particulier et donc il faut que je remplisse ces conditions pour m'adresser à elles. Je rebondis sur d'autres types de salles parce que moi en plus je bosse en collectivité territoriale, donc dans une commune, et je gère la prog d'une salle, enfin je participe à l'élaboration d'une prog. Ça paille. C'est des petites salles qui ont un fonctionnement, par exemple, qui peuvent programmer de la musique actuelle, puisque c'est le sujet aujourd'hui, et qui ont un fonctionnement bien précis, des positionnements bien précis. On parle de Grenoble, on peut parler de Grenoble parce qu'on est presque tous grenoblois. Voilà, moi, la salle où je bosse, le Déclic et la Source à Fontaine, ils n'ont pas le même positionnement au niveau des musiques actuelles. Et donc, du coup, il y a des propositions qu'on peut faire d'une part qui sont intéressantes et d'autres qu'on ne peut pas faire à certains endroits. Donc, il faut aussi dire, OK, comment fonctionne la salle que je contacte? Est-ce que c'est une SMAC? Est-ce que c'est une salle en gestion directe, en régie directe? Est-ce que c'est est-ce qu'elle a un label? Est-ce qu'elle est l'Hexagone, par exemple, à la Mélan, labellisée Art Science? Bref, il y a tout des tas de projets comme ça qu'on peut et des pareil, c'est comme les labellisations de festivals, on va dire, qu'il faut vraiment se dire aussi ces lieux-là. Comment les contacter et quelles sont leurs prérogatives. Je crois qu'on en avait déjà parlé aussi, mais quel est leur calendrier aussi. Une SMAC, c'est peut-être 6 mois avant qu'on va la contacter, on va dire. Une salle en régie directe d'une mairie, la saison, là, elle est déjà faite, par exemple, pour 21-22. Donc, en fait, comment contacter ça? Je dirais, comme Jean-Noël l'a décrit dans son métier, justement, dans le rôle de booking et du rôle du booker à programmateur, le rôle de artiste à programmateur, c'est exactement la même chose. C'est une relation de confiance et surtout, quand on ne connaît pas la personne à qui on s'adresse, justement, c'est d'aller se renseigner sur ce qu'il aime, justement, ce que tu l'as dit, sur la régularité de la programmation de la salle, est-ce qu'on programme à 6 mois, à 1 an, etc. La typologie de la salle, dans quel réseau il s'inscrit. Nous, la Belle Électrique, on n'est pas une SMAC, enfin on est fonctionnellement SMAC, mais on n'est pas labellisé SMAC, c'est une grande question. Ça ne nous empêche pas de mener des actions de diffusion, forcément. La difficulté qu'on a en diffusion, c'est qu'on a une salle de 1000 places, on n'a pas de club, justement, qui sont... Une SMAC a toujours un club pour faire ce qu'on appelle le développement d'artistes. Donc, nous, on se débrouille avec les premières parties. Je vais reprendre ton exemple, parce que pour situer à tout le monde, sur Paul, qui m'a que je ne connaissais pas, qui a un groupe qui s'appelle Influence Néfaste. Et il m'a écrit, justement, c'est un très bel exemple. Il m'a écrit, je ne le connaissais pas, il m'a envoyé un mail plutôt bien rédigé. Ça aussi, ça compte. Hein, pas un mail de 6 pages et plutôt bien rédigé, avec tout ce qu'il fallait dedans. Donc, là, un bel exercice. J'écoute, j'ai pris le temps d'écouter parce que j'écoute. Après, c'est évidemment le rôle est particulier à chacun, que ce soit un booker ou un programmateur, c'est vraiment subjectif. Moi, je fais partie d'une génération maintenant qui commence à être qui commence un peu à dater, mais j'écoute tout ce qu'on m'envoie. Alors, sur ce qu'il m'a envoyé, je l'ai écouté. Et en effet, comme tu disais, Jean-Noël, moi, ça m'a parlé. Côté punk, ça m'a parlé. Ce qui m'a parlé, c'est la démarche, pas forcément un groupe qu'on voyait dans le réseau SMAC, etc., à Grenoble, plutôt dans le réseau, si je ne me trompe pas, Squat, etc., ou petite salle indépendante. Donc, ça m'a interpellé parce qu'on a aussi vu les salles comme, enfin, tout le réseau SMAC en France, les principales SMAC en France, on a vu comme étant des temples de la musique actuelle. Et des fois, dans le mot temple, il y a la catégorisation intouchable.
On ne peut pas y accéder. Donc, s'il est vrai qu'en passant par, des fois, on passe par la, on n'arrive pas à passer par la porte, on passe par la fenêtre. Et sur un projet comme ça, moi, qui m'a interpellé, c'est à la fois le propos artistique et aussi la démarche. C'est-à-dire, le mec, en fait, il vient me contacter et ben, il ose, quoi. Parce qu'il y a beaucoup qui n'osent pas, en fait, me contacter. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Après, évidemment, ce qu'on peut proposer, évidemment, c'est les premières parties. Après, il faut à la fois proposer la première partie qui va bien avec l'artiste et qui ne va pas desservir la première partie. Pour moi, c'est primordial de ne pas mettre n'importe qui en première partie de n'importe quoi, en fait. Parce qu'il faut justement que cette date, elle est, même si c'est 30 minutes de set, avec des conditions qu'on connaît, qui sont restreintes au niveau des tranches techniques, enfin, des conditions techniques, il faut que ça serve et que à la fois cette date, elle serve de promotion. Je vais prendre un exemple aussi sur les Jacks, que, alors c'est pas forcément vous qui m'avez contacté, mais je crois que c'est un intermédiaire, il me semble que c'est Bertrand, ça passe, non? Ou, voilà. Bah, je t'ai déjà envoyé des mails, mais oui. Bah. Est-ce que j'ai répondu? Oui, tu m'as répondu. Alors, je suis sympa, je réponds, mais c'est vrai que ça m'interpelle. Après, c'est une question de temps, exactement comme tu dis Jean-Noël, il y a mille, c'est une question de temps aussi. Des fois, c'est trouver la bonne adéquation avec le bon moment. Et puis après, on a toute notre sauce en interne aussi. Est-ce qu'on est en coproduction, en co-réalisation, en session avec l'artiste? Et puis aujourd'hui, même les artistes, tous les artistes, même si sur le terrain de mi-place, que ce soit du national à l'international, alors encore plus international, ils demandent toujours des validations. Là aussi, on pourrait en parler pendant des heures sur le rôle des premières parties par les boîtes de production qui sont imposées. C'est vrai que c'est important, ça aussi, hein, ce que tu dis. Alors, ça, c'est encore un vaste sujet. Ce n'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, mais ouais, on pourrait en parler. Sur les Jacks, tout ce qui a été dit par Jean-Noël et Amine, ça vous parle? Ou ça vous aide? Oui, ben, c'est vrai que déjà sur la création d'une relation de confiance, c'est vrai qu'on y pense, on n'ose pas forcément venir vous aborder, vous programmateurs, pendant une date où vous êtes sûrement aussi très occupé à travailler votre réseau également. Et moi, j'avais une question, c'était plutôt sur justement en booking, sur combien de temps vous vous projetez avec un groupe au niveau du développement. Enfin, par exemple, nous, je sais qu'on est en train de justement travailler notre rétro-planning et on a un peu on se pose un peu des questions sur nos objectifs à plus 3, plus 5 ans, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui sont liés. Et je voulais savoir un peu, vous, dans la stratégie de développement d'un artiste, est-ce que vous avez des petits tips à nous donner ou pas? En réalité, il n'y a pas forcément de schéma classique par rapport à ça, mais après, moi je sais que sur tous mes groupes en développement, tu ne te projettes pas avec lui pour seulement une année, parce que sinon tu ne fais pas de développement en réalité. Mais c'est vrai que généralement sur un groupe en développement, tu te projettes pour minimum 2 ans quand même, parce que bon, tu peux pas d'un coup le propulser sur la scène nationale d'un coup avec un EP ou et encore un track. Donc en réalité, il y a tellement un travail et d'accompagnement dessus que ça prend du temps. Donc si toi quand tu parles de projection, tu parles de projection avec un tourneur ou genre nous du coup individuellement, enfin sans tourneur, c'est vrai que par exemple, nous on réfléchissait justement à la sortie d'un EP qui allait peut-être découler sur la sortie d'un album, mais justement, quand on ne savait pas comment l'amener vraiment pour pouvoir décrocher un accompagnement, par exemple à la Belle Électrique ou quoi que ce soit, comment l'amener en fait à un programmateur. Tu veux savoir comment en fait j'avais tout un rétro planning en fonction de tes sorties d'EP, tes sorties d'album. Ouais, c'est à peu près ça. Après, c'est vrai que je sais pas, genre de toute manière, dans un premier temps, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est parce que tu parles déjà d'album, mais en fait je trouve que c'est hyper important dans un premier temps
de se fixer des objectifs, mais à un certain niveau, de commencer petit pour ensuite arriver vers quelque chose de plus grand. Parce que je pense qu'au début, c'est hyper important de se concentrer sur un EP et d'essayer de se fixer des targets autour de ça. Qu'est-ce que tu veux ? Et comme on disait tout à l'heure avec Jean-No, c'est aussi par le fait de ta compréhension de tout le prisme musical, et ben, t'arriveras en fait à t'organiser, te dire qu'est-ce que je veux. Donc j'ai mon EP, qu'est-ce que je veux ? Je veux de la promo, donc comment j'arrive à cette promo ? Je veux des dates, comment j'arrive à ces dates-là ? Et peut-être pour un avenir prochain, je voudrais un tourneur, comment je fais pour arriver jusque-là en fait ? Je pense que tu ne veux pas déjà directement penser album, EP. Je pense que c'est aussi important de ne pas aller dans tous les sens et de se concentrer sur quelque chose. Enfin, en fait, c'est, tu ne peux pas aller directement au niveau 10 si tu n'as pas déjà passé les premiers niveaux, je pense. D'accord, mais du coup, c'est vrai que, enfin, du coup, ce qu'on avait en tête, c'était justement que l'élaboration d'un EP, après, il va y avoir des objectifs multiples, en fin de compte, ça va être aussi peut-être une occasion de se créer une équipe derrière à travers justement le contact d'une personne pour les visuels et puis déjà quelque chose à proposer à des bookers, mais du coup ça va être un objectif. Parce que là vous en êtes où en fait là actuellement, là vous avez déjà composé un EP etc. ou là en fait on a déjà eu un EP, on a déjà fait des tournées en France et en Europe. Okay. Et du coup c'est vrai que on s'est posé, on s'est dit bon bah c'est vrai qu'on a joué un peu partout en France, mais ça ne nous a pas vraiment apporté pour l'instant parce qu'on n'avait pas réellement d'objectif précis derrière ces dates, peut-être de rencontrer une personne en particulier ou de toucher un public en particulier. Et justement, on n'a pas vraiment travaillé la promotion de notre tournée et on voulait refaire une mise à jour en fin de compte. Et définir un peu plus nos objectifs quoi, sur vous avez bossé avec une attachée de presse, vous avez... Non, justement, peut-être pour la promotion, travailler avec une attachée de presse, mais vu qu'on s'occupe nous aussi du booking, j'imagine que derrière chaque date, comme vous disiez, peut-être... le fait de booker une date aussi, c'est un objectif précis qui peut découler peut-être sur la promotion, j'en sais rien. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris aussi. Ouais, non, mais ça, c'est hyper important, Joris, ce truc-là. Je reviens sur cette phrase, mais qu'on puisse justifier toute date de concert, tu vois. Parce que sinon, effectivement, c'est entre guillemets trop simple, quoi. Sachant qu'en plus, bon, vous avez déjà fait quand même le plus dur, c'est qui est de caler des dates de concert, entre guillemets, hein. Donc si vous partez en tournée, c'est déjà hyper cool, mais c'est de dire c'est quoi en fait les objectifs post-tournée. Moi je les appelle toujours comme ça, c'est les objectifs post-date, quoi. En fait, elle sert à quoi cette date, quoi. Avant, effectivement, on parlait du caractère un peu intouchable des SMAC comme ça, et effectivement, Paul, il a totalement raison dans le sens où aujourd'hui, la Belle Électrique, est-ce que Jax va vraiment, comment dire, est-ce que c'est vraiment pertinent que Jax contacte Olivier ? Est-ce que Jax peut remplir aujourd'hui, vendre assez de tickets pour que la soirée soit rentable ? Ça, non, on est sûr et certain de ça, mais par contre, aller faire une date à Grenoble, je sais rien, à la Bobine, ailleurs, j'en sais rien, à la Source, à Fontaine, à côté, et puis te dire, tiens, on contacte Olive pour qu'il vienne voir peut-être le show, on va peut-être l'appeler pour quelque chose d'autre, peut-être préparer le show là-bas, faire une résidence là-bas, ainsi de suite, qu'il puisse voir le truc. Et puis quand on viendra à la Bobine, on invitera tout le gratin grenoblois pour voir s'il y a des choses qui peuvent se passer derrière, parce qu'on veut décrocher ça, ça, ça et ça. Et là-dedans, la priorité, c'est vraiment celui-là. Donc ça, on va vraiment le soigner, ainsi de suite. Puis là, on parle que de Grenoble. Mais ça, on peut l'appliquer dans toutes les villes de France, quoi. Partout où on va, on peut appliquer ce schéma-là de pourquoi et c'est quoi la next step, quoi. Si aujourd'hui, on vient à Lyon et qu'on joue au Farmer, eh ben, la prochaine fois, c'est pour pouvoir jouer au Sonic. Puis la fois d'après, c'est pour pouvoir jouer en support dans un club transbo et puis profiter du contact de David Fontaine qui va en parler à Damien qui fait l'intérim à l'épicerie moderne pour pouvoir faire un support à l'épicerie moderne. Puis ensuite, revenir au Jack-Jack, par exemple, pour faire un premier coplateau. Pour ensuite... Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est que des jalons comme ça qui viennent l'un dans l'autre, comme ça. Et puis, c'est un escalier sans fin, en fait.
c'est un escalier sans fin. Et puis, je voulais rebondir aussi sur ce que vient de dire Jean-Noël. Par exemple, quand tu parles de label, il y a aussi toute une autre vision et toute une autre facette de label qui compte et qui est l'accompagnement, justement. Et ce n'est pas parce qu'on ne va pas pouvoir te promettre, effectivement, tu vois, de la diffusion, une première partie, etc. On ne peut pas vous filer des coups de main sur d'autres choses. On a d'autres moyens, tu vois. On fait de la résidence. On a pas mal de groupes en accompagnement. Et dont certains, on sait qu'on ne pourra pas les aider directement sur la diffusion. Mais ça ne nous empêche pas de leur filer des moyens de répétition, des conseils, de la mise en réseau. Et effectivement, comme disait Jean-Noël, je veux dire, à Grenoble, on travaille avec les autres salles. Donc, on peut aussi... moi, ça m'arrive régulièrement de faire des rencontres avec des groupes où je sais clairement que dès le départ, je ne vais pas pouvoir leur proposer tu vois, des solutions de date et de tournée, mais de leur dire, par contre, moi, je peux te présenter ou je peux t'introduire auprès de telle personne. Enfin, ça, c'est jamais du temps perdu, tu vois. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper important et on a tendance à l'oublier, c'est qu'on part, on veut monter une tournée, on part tout azimut, on contacte plein de gens et tout ça. Mais on avait dit au départ et tout hein, que c'est la clé, il faut établir des relations de confiance. Moi, ce qui me sidère à chaque fois, c'est de constater à quel point en fait les groupes ne vont pas en fait contacter ou ne vont pas rencontrer, parce que c'est le plus important, rencontrer les partenaires locaux, les acteurs locaux et puis peut-être même leur endroit rêvé pour aller jouer quoi. Enfin, ici à la Belle Électrique, vous avez effectivement là deux personnes en fait qui peuvent vous accueillir, vous écouter et puis tout comme tu disais qu'effectivement, toi, tu sais que tu ne vas peut-être pas pouvoir proposer une date derrière, une première partie. Mettez-vous en tête que pour vos artistes ou pour vous-même, eh ben, l'objectif n'est pas forcément d'aller chercher une date dans cette salle de concert. Et peut-être d'aller dire à Olive ou à Amine, à moi, à n'importe qui, qu'est-ce que tu en penses ? Tiens, qu'est-ce que tu en penses en fait ? Et tiens, viens, alors regarde, là, j'ai mon rétro-planning. On a bossé sur un rétro-planning avec les gars. Qu'est-ce que tu en penses et puis, on a essayé de monter cette tournée. Qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Regarde, là, on a le clip. Tiens, on a essayé de travailler avec cette prod, mais elle ne nous a pas répondu. Est-ce que tu peux... En fait, vous voyez, ne pas forcément être dans la vente tout le temps et être un peu plus à l'écoute de ce truc-là. Parce que quand tout d'un coup... j'en sais rien, Jean-Michel Bronsin, il va appeler, il va recevoir de l'aéronef à Lille par exemple, il va recevoir ton mail Joris pour aller programmer Jax à l'aéronef en première partie de je ne sais qui. Sans doute une des premières choses qu'il va faire s'il est un tant soit peu intéressé, c'est appeler la Belle Électrique et dire bah, alors tu les connais les Jax qui viennent de chez toi? Oui, ils sont venus la semaine dernière. Écoute, ils ont bien bossé leur affaire là. J'écoute, j'ai pas encore vu en live, mais là leur histoire en tout cas, elle est bien réfléchie, ça avance, truc assez. Ça met beaucoup plus en confiance Jean-Michel Bronsin que en fait ils envoient des mails beaucoup. C'est au moins le 12e en 6 mois, mais on n'a pas vu de trace pour le moment d'une vraie démarche, d'une histoire à raconter. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc là aussi quoi. En fait les partenaires locaux sont des personnes hyper précieuses avec qui vous devez et vos artistes doivent tisser des liens hyper forts parce que c'est sans doute en fait des piliers qui seront hyper fondamentaux dans la suite de l'histoire. Avant tout même, je dirais, parce que avant, on a beaucoup parlé là pendant plus d'une heure, une heure et quart de la relation, vous êtes là pour ça, mais sur la relation booking et tourneur. Et c'est vrai que comme tu dis à juste titre Jean-Noël, les premiers piliers dans une ville, c'est vraiment tous les acteurs locaux qui ont un dispositif d'accompagnement. Je prends à Grenoble, il n'y a pas que la Belle Électrique, évidemment, tu l'as cité, on est tous fédérés. En fait, on a fédéré à un moment donné plusieurs collectifs d'associations, que ce soit Retour de scène, Mix Art, La Bobine, on est même Blue Veins, justement, qui est une association nouvelle à Grenoble qui veut organiser des concerts de rock. Ils sont assez déterminés. Mickaël, qui est à l'origine de Bouvel, c'est que je connais aussi, qui participe aussi aux actions Cold Flame aussi sur la messe de minuit en tant que bénévole. Il était bénévole chez nous aussi, il est venu me demander des conseils et comme disait Noël, il m'envoie des mails en me disant voilà, toi comment tu quand tu as organisé des concerts la première fois, comment c'était, comment ça se passe, qu'est-ce que tu me conseilles au niveau du budget, etc. Même s'ils ne sont pas accompagnés, même si c'est un organisateur de festival ou de concert, malheureusement ils n'ont pas pu organiser avec le Covid pour l'instant, mais ça ne va pas tarder, ils vont faire ça à l'ampérage. Là aussi on est du conseil. Et puis le conseil, il vient aussi des salles, il vient aussi des assos. Il y a beaucoup, je ne sais pas si dans en Aquitaine, Pierrot, ou c'est quoi, c'est Farah,
je pense que vous êtes vachement structuré aussi en accompagnement, mais je vois qu'à Grenoble, il n'y a pas que les salles qui proposent de l'accompagnement. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'associations, je répète, hein, pour ceux qui sont de Grenoble, MixArt, principalement, et Retour de scène, avec un dispositif sur la cuvée grenobloise, qui est donc une compilation avec tout un accompagnement d'artistes, etc. Je crois que l'accompagnement n'a jamais été autant à la mode dans cette décennie. Hein, dans les années 80, je crois que à part un local de répétition, c'est tout ce qu'on pouvait proposer en accompagnement, et c'était la logique du do it yourself. Hein, quand je regarde les Pierrot, il sourit parce que c'est de quoi je vais parler. Quand tu regardes les interviews d'un groupe, j'admirais quand j'étais plus jeune, et toujours, j'ai un respect profond pour les Tugs. Quand tu les entends parler en interview, qui disent mais les formations, comment placer son ampli, comment régler son ampli, comment régler ses retours, mais et tout ça c'est bullshit. C'est l'ancienne école, quoi. Mais la belle époque, ouais, la belle époque, parce que c'était aussi le début des scènes de musique actuelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup parlé donc, du booking, etc., mais c'est vrai que les structures qui accompagnent, il y en a forcément dans chaque ville, et ce n'est pas que dans les salles, il y a aussi d'autres structures qui font de l'accompagnement, et vous en faites partie aussi, hein. Vous avez aussi une expérience à partager, et vous êtes aussi des premiers piliers, forcément, ne serait-ce que de conseils, avant d'aller contacter des bookers ou des tourneurs qui ne lisent pas vos mails. Si je peux compléter ce que tu dis, Olivier, en fait, c'est aujourd'hui, c'est vrai que c'est complètement différent des années 80-90, que bien sûr j'ai connu, moi. Mais du coup, en fait, c'est une filière aujourd'hui. Il faut penser en termes de filière. Que ce soit une filière associative qui organise des événements ou alors une filière de SMAC, de salle de spectacle. Mais du coup, comme on reboucle ce que disait Jean-Noël tout au début, c'est un cercle vertueux, en fait. Donc, sauf qu'il a duré dans le temps parce qu'il s'organisait en filière. Et du coup, si on toque à la porte de certaines personnes pour de l'aide et qui ne pourront pas nous aider parce qu'on fait du crowd rock et qu'il y a la queue d'Apsy France qui joue là-bas, par exemple, bon, c'est pas grave, mais ils pourront nous rediriger sans doute très certaines, enfin, vers des personnes. Et c'est le cas à Grenoble, hein, en gros, hein, où la bobine, il y a une identité qui s'est construite autour du temps, la belle électrique aussi, la source, bref, l'hexagone. Il y a plein de salles, en fait, qui sont calés autour de ça. Et donc, même si on peut pas, même si on pourra pas directement vous aider, on sait qui écoute ça et qui pourrait programmer ça. Donc, faut pas hésiter à demander. Parfois, des gens, on se dit, s'ils y connaissent rien, ok. Mais par contre, peut-être qu'eux, ils connaissent des personnes. Oui, et puis c'est pas qu'une histoire de programmation. C'est une histoire aussi, je le répète, hein, on est aussi là pour avoir du conseil, hein. Voilà, justement, comme disait Jean-Noël, parce que, tiens, voilà, on a fait. Moi, j'ai des groupes qui me contactent régulièrement, qui ne sont pas des groupes accompagnés, mais ça n'empêche pas qu'on n'ait pas une relation, et qui me demandent simplement leur avis sur qu'est-ce que tu en penses de ce single-là, est-ce que je le diffuse plutôt là ou plutôt là, qu'est-ce que tu en penses. Même, ça va aller très basique. Voilà, on a deux projets d'affiches. Alors, laquelle tu préfères, mais ce n'est pas qu'à moi, ils nous posent à plein de gens. Alors, c'est un mode de fonctionnement qui peut être perçu par certains comme étant intrusif, etc. Moi, je trouve ça, tant que je peux répondre, je réponds, quoi. Et il ne faut pas hésiter. Je reviens là-dessus, il ne faut pas hésiter à aller taper à la porte. Hein. De toute façon, même auprès des tourneurs, en réalité. Et oui, il y a plein d'artistes même en ce moment, je fais plein de Zoom avec plein de groupes avec qui j'ai même pas envie forcément de travailler, mais en réalité, je trouve que leur démarche est touchante. Et après, j'essaie de leur donner des conseils et des démarches à avoir par la suite. Donc, je pense que vous pouvez en réalité, même ceux qui sont à Lyon, contacter Jean-Lau, contacter je ne sais qui, AFX, etc. Je pense que logiquement, ils répondront au bout d'un moment quand même. Donc, en fait, c'est une manière un peu d'inverser le rapport, quoi. C'est vrai qu'on parlait de se différencier, comment se différencier aujourd'hui, mais c'est sûr que dans la masse de toutes les demandes, que ce soit d'un programmateur, comme Olive à la Belge, chez un tourneur, comme chez Amine à Gauche de la Lune et tout, en toutes les tous les groupes, tous les artistes qui les contactent en fait pour soit être programmés, soit essayer de signer chez à Gauche, ben finalement les artistes qui leur posent des questions et disent qu'est-ce que vous en pensez de ça, ben en fait ça interloque, quoi. C'est simplement ah tiens, en fait c'est pas un mec de plus, en fait là il attend une réponse, là on peut peut-être l'aider en fait directement, ouais, c'est plus simple, en fait il y a moins d'intérêt, effectivement
C'est un peu bête, un peu naïf dit comme ça, mais en fait, ça a vraiment du sens. Et c'est vrai qu'à partir de 2-3 échanges, en fait, ah ben, tout d'un coup, pop, le nom, il pop, en fait. Ah oui, bien sûr, c'est celui qui voulait un conseil sur une affiche, par exemple, qui voulait avoir un retour sur le titre, le truc. Ah bah attends, viens, oh, bah, tiens, on avait une idée de première partie, truc qu'on peut faire. Enfin, vous voyez, ça, en fait, ça se passe vraiment comme ça, quoi. C'est pas du bullshit. C'est pour ça, Farah, avant, on disait, ça prend du temps et qu'il faut essayer de trouver un peu des... peut-être des autres manières, des manières de se différencier. Voilà. Et puis, moi, je répète ce qu'Amine et Jean-Noël ont dit déjà tout à l'heure, mais quand ils parlaient de créer un truc de confiance, moi, je sais qu'à titre personnel, je travaille avec énormément de gens qui, de prime abord, artistiquement, ne sont pas forcément ce que je connais le mieux et ce que j'aime le plus, etc. Mais par contre, que j'ai recroisé à plusieurs occasions avec d'autres personnes, et je me suis rendu compte qu'ils avaient une super bonne approche et, comme il disait tout à l'heure, qui n'étaient pas hyper demandeurs finalement, qui venaient en voulant vraiment connaître notre point de vue sans forcément demander quelque chose en premier. Et ça, à chaque fois, je m'en suis rappelé. Et dès que j'ai pu filer un coup de main là-dessus, ça s'est fait, vraiment. Même si ce n'était pas des coups de cœur personnels. C'est juste parce que je trouvais que la démarche, elle était parfaite. Et ça, c'est important. Au tout début, quand j'ai commencé le booking, j'envoyais les mails les plus courts possibles. Je me faisais le défi d'envoyer les mails de booking le plus court possible avec juste une chanson à écouter, avec une vidéo tout le temps. Mais pour indiquer la marche à suivre, tu vas écouter ce titre-là et pas autre chose. Et je ne demandais jamais rien derrière. Je ne posais jamais de questions. Je me disais jamais, est-ce que tu veux les programmer en première partie de ça? Est-ce que tu veux les accueillir dans ta salle, un truc, ainsi de suite. Je terminais juste le mail comme ça. Et puis en fait, du coup, le programmateur, la programmatrice, elle lit le mail, elle dit, mais il veut quoi lui? Bon, voilà, en fait, déjà, il se pose une question. Et en fait, c'est tout ce qu'on veut. C'est qu'il lise les phrases qu'on lui envoie, qu'il clique sur le lien potentiellement et qu'il se pose des questions. Et tout d'un coup, tu marques les esprits. Il faut trouver des petites combines, en fait, comme ça. Il faut trouver des petites astuces pouvoir justement, ouais, comme dit Olive, en fait, rentrer par la fenêtre si la porte n'est pas grande ouverte. Quoi. Et ah pas faire des copier-coller. Quoi. Parce qu'il y a d'autres moyens. Alexis, tu n'avais pas une question? Je crois que je t'ai oublié. Oui, j'avais une petite question. En fait. Bon, il y a déjà eu beaucoup de réponses données là-dessus. Donc, c'est pareil sur la partie booking. Le truc de... moi, en fait, je me pose aussi une question de la limite qu'on a sur... tout à l'heure, Jean-Noël, il a parlé du harcèlement, donc pas aller jusque-là, mais un peu la limite qu'on peut avoir en tant que booker. Pardon, c'était pas le bon mot. Mais sur le sens de... voilà, moi, j'ai commencé le booking, là, on va dire, plus pro en janvier 2020. Bon, il y a eu la pandémie. Donc, toute la question des relations et de rentrer en contact, de vraiment créer une relation avec les programmateurs et les personnes de... peu importe les lieux et les activités, c'est compliqué actuellement. Donc, l'idée, comment on peut attirer les personnes sans... Alors, tout à l'heure, on disait, voilà, Jean-Noël vient de parler du conseil du mail super court. Au départ, on parlait de raconter une histoire, tout ça. Mais est-ce qu'il y a une limite aussi dans l'envoi du mail, se dire j'ai envoyé 2 mails dans le mois ou 3 mails, je ne sais pas s'il y a une limite à se poser comme ça. Amine ? Bah après, c'est sûr que si pendant un an, tu envoies des mails, ils ne te répondent jamais, effectivement, peut-être qu'il faudrait arrêter, je ne sais pas. Mais après, est-ce qu'il y a une limite là-dedans ? Je ne pense pas. Mais après, effectivement, si déjà tu ne contactes que par mail, je pense que... Je pense que moi, je trouve ça. Enfin, en tout cas, quand j'ai commencé le booking, enfin, je commençais toujours par un appel. Dès que j'avais la personne au téléphone, même si elle s'en foutait totalement de ce que je lui disais, j'enchaînais directement par un mail pour tout de suite essayer de créer un truc derrière. Donc après, c'est sûr que ouais, si tu envoies constamment des mails toutes les semaines, je pense que c'est peut-être plus compliqué, quoi. Mais après, ouais, je pense que c'est important d'avoir un contact aussi par téléphone. Après, c'est vrai qu'en France, c'est compliqué, mais s'il y a des événements type printemps de Bourges, etc. C'est vrai que c'était justement par rapport à ça, c'est que par rapport à la situation actuelle, j'avoue que le contact est impossible. Le téléphone est plus compliqué parce que les personnes ne sont pas toujours au bureau. Et donc, ouais, c'est vrai qu'après, en fait, j'ai commencé donc là en janvier, comme je disais.
personne ne me connaît. Le groupe Mad Foxys avec qui je bosse depuis le départ n'est pas connu. Donc, en fait, je suis rentré un peu, alors moins maintenant, mais dans l'idée, je suis rentré dans, dans un truc un peu acharné de me dire, bah ouais, on ne nous connaît pas, bah, je vais montrer qu'on est là en envoyant plusieurs mails. Alors, pas du copier-coller, à chaque fois, je changeais, j'essaie de démarquer un peu les choses. Mais c'était vraiment de se dire, bah ouais, je suis là, quitte à parfois forcer un peu trop. Et alors, parfois, ça a marché. En un an et demi, je me suis fait rembarrer une seule fois, donc je me dis que ça n'a pas trop dérangé. Non, et puis de toute façon, s'il t'a rembarré, c'est un connard, et puis voilà, fin de l'histoire. Mais non, mais tu vois, enfin. Ensuite, ça reste quand même nos métiers, quoi. Putain, enfin, moi, c'est ce que je me dis tout le temps, tu sais. Des fois, on se pose cette question, on se dit, putain, on ne veut pas les faire chier, puis il faut y aller, trucs et tout ça. Des fois, putain, et les programmateurs, les programmatrices, c'est leur métier de programmer des choses. Nous, c'est notre métier de vendre des concerts. Bah, les artistes, c'est leur métier de faire de la musique. C'est un peu ce qu'on nous demande, c'est ce pour quoi on est payé. Donc, je pense que, non, effectivement, tu as totalement raison, en fait, d'être là, d'être présent. Et puis, putain, Covid représente un an après, tu es toujours là, puis tu continues à faire du booking. Putain, c'est irrespectueux. Je peux te dire que chez À Gauche de la Lune et chez Coldfame, ça se la touche en ce moment. Donc, tu vois, en fait, non, je pense qu'effectivement, cette question de respect, et de ne pas être trop insistant, elle est effectivement hyper importante. Tu vois, c'est comme dans la drague. Avant, Amine parlait de drague et tout, mais faut y aller tranquillou. On est là pour établir une relation de confiance. Mais moi, il y a un signal que je trouve qui est assez intéressant. Tu sais, c'est ces mails-là maintenant, Gmail et tous les trucs, ils le font tous. Là, tu sais, ils additionnent les mails et ils te mettent le nombre de mails à côté qui sont restés sans réponse. Tu sais, genre, il y a une boucle de mails de 27 mails et tout ça. Bon, bah, quand on voit plus de 4, de toute façon, c'est que ce n'est pas très, très bon signe, quoi. Et moi, au bout de 4 mails, 3 mails sans réponse, là, je me dirais, écoute, là, il n'y a pas l'accroche. Quand Amine, il faisait un coup de fil et que Cash derrière, il faisait un mail, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il créait une accroche, il mettait une voix sur un nom. Plus, il a de la chance, il s'appelle Amine. Moi, j'ai de la chance, je m'appelle Jean-Noël, ce n'est pas des prénoms qu'on rencontre tous les jours, tu vois. Moi, on avait l'impression que j'avais 50 ans quand j'ai commencé le booking, tu vois. Je ne sais pas, il faut essayer de trouver des trucs, de créer des accroches comme ça et te dire, ah putain, 3 mails sans réponse, 4 mails sans réponse. Non, maintenant, il faut que je passe au téléphone. Maintenant, il faut que j'établisse une relation de confiance. Ce qui est génial, je ne sais pas vous, je ne sais pas toi, Amine, je ne sais pas toi, Olivier, et tout ça, mais aujourd'hui, on a tellement de choses à se raconter, quoi. On a tellement de trucs à se raconter, justement, sur. Alors qu'il ne se passe que dalle, hein, mais justement, sur la gestion de cette crise, sur quelles sont les prochaines choses qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer quand le feu vert revient, qu'est-ce qui s'est passé avec les équipes, avec les trucs et tout ça. C'est génial. Moi, je passe des journées au téléphone avec des gens, mais je ne parle pas de booking. Ouais, je ne cherche pas à vendre des artistes, mais par contre, j'ai fait tellement de progrès. Moi, en tant que, voilà, aujourd'hui, dirigeant d'une boîte de tours, je sais que quand les feux ils vont se rallumer au vert, j'ai déjà gagné x2 en carnet d'adresses, ne serait-ce parce qu'il y a eu coup de fil sur coup de fil à se raconter des trucs et à ne pas forcément chercher à se vendre, tu vois, juste à créer du lien, créer des relations, créer des histoires. Et c'est un truc, au final, qu'on devrait faire plus quand la vie est normale, mais c'est vrai qu'on a généralement moins de temps, mais au final, le booking, c'est tellement des liens à tisser qu'on oublie parfois qu'on peut juste tout simplement se raconter des histoires, enfin parler de musique en fait en réalité. Et je pense que même quand tu es un artiste, ça peut être aussi des très bonnes techniques d'accroche aussi. Tu es au téléphone, tu vas pas dire, enfin moi ça m'arrive parfois, bah, j'ai quand même des artistes qui m'appellent, je réponds, enfin qui m'appellent au bureau, et bah, y en a, ils parlent directement de leur groupe et puis tu as l'impression qu'ils te récitent toutes leurs leçons en fait. Alors qu'en réalité, moi, j'en ai parfois, ils m'appellent, ils discutent. Genre, ils parlent avec moi, on parle de musique. Ah, bah tiens, tu t'occupes des Psychotic Monks, moi, j'adore ce genre de style parce que moi, j'adore tel groupe, nanani, nanana. Et effectivement, c'est un peu comme nous, en tant que booker, quand on va aussi parler avec des programmateurs qu'on ne connaît pas réellement. Enfin, ça reste de l'humain, en réalité. Et je pense que ça peut être toujours hyper. Enfin, c'est un peu choquant et. Un peu trop intrusif quand quelqu'un t'appelle directement et qui te balance tous ces trucs. Et pareil pour les mails, en fait. C'est pour ça que même dans les mails, je trouve ça hyper important que tout soit un peu personnifié, quoi. Enfin, tu ne vas pas juste faire un copier-coller et l'envoyer à 45 programmateurs ou 45 bookers. Je trouve ça hyper intéressant aussi, par respect pour la personne avec qui tu vas parler, de s'adapter à l'autre et d'avoir un discours différent aussi, tu vois. Personnaliser l'appel téléphonique ou les mails, voilà. tout en restant concis, précis et original, comme tu disais, Jean-Noël. Un petit conseil sur l'appel pour, par exemple, le programmateur, c'est
alors quand vous arrivez à avoir un appel téléphonique justement, c'est à chaque fois d'avoir l'objectif de votre appel. Alors évidemment, si l'objectif primordial est de décrocher une date, mais ça ne se fait pas en un seul appel, mais c'est de retirer le maximum, au moins 3 informations sur la personne, si vous ne la connaissez pas. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, vous appelez un programmateur, essayez de retirer, savoir à quelle période il programme, qu'est-ce qu'il programme, est-ce qu'il programme dans d'autres lieux, est-ce qu'il organise un festival, est-ce qu'il a où c'est qu'il se déplace, etc. Et la technique, c'est de récupérer au moins 3 informations. Ce que je dis aussi, c'est des fois on n'a pas le mail personnel du programmateur, on a le mail générique, contact, at, label électrique, nanana. Essayer de recentrer le contact, d'arriver petit à petit au vrai contact. Et puis c'est vrai que alors même si aujourd'hui c'est plutôt la culture de l'écrit, un coup de fil mais bien placé, c'est important pour gagner du temps et surtout, je le répète, de gagner un maximum d'informations. Je prends l'exemple, je reviens sur la belle électrique 2 secondes pour vous dire que en effet, il y a la programmation, on n'a pas de club, mais la personne qui s'intéresse, qui pose des questions, peut savoir qu'on organise un festival qui s'appelle Jour et Nuit, enfin, quand c'était encore l'époque, qu'il y a des groupes dans le garage, que justement, pour pallier au manque d'un club dans la salle, on a pu développer une activité hors les murs qui s'appelle Court-Circuit, justement, où on a fait pas mal de groupes à l'Ampérage, donc qui est la salle qui est juste à côté de la belle électrique, qui fait 300 places, 280 places, et qui me permet à moi, programmateur, de me faire plaisir, de programmer d'autres groupes et d'avoir une autre, pour programmer dans une certaine niche, quelques groupes locaux en première partie, et puis des groupes à faire découvrir. Donc voilà, moi ce que j'aurais à dire, c'est prenez un maximum d'informations quand vous appelez un booker ou un programmateur. Il est 20h37, je ne suis pas l'horloge parlante, mais ça fait déjà presque 1h30 qu'on est là. Est-ce que on a démarré à 35, est-ce qu'on peut faire un dernier tour de table si vous avez des questions, notamment sur les gens qui s'occupent de structures accompagnatrices? Je ne sais pas si Farah, Élise, Esther, Steph, il n'a pas parlé. Si vous avez encore une dernière question, un sujet abordé en 10 minutes. Moi, je veux bien juste intervenir aussi sur la partie, parce que du coup, j'ai aussi la casquette programmation. Bon, ce n'est pas du tout au niveau de la belle électrique ou même de la bobine. C'est une petite salle de concert à Gap. On a quoi, 120 personnes grand max à accueillir. Mais du coup, voilà, quand je reçois des mails aussi, j'aime bien qu'ils soient personnalisés, ça je confirme. Les MailChimp tout fait, franchement, c'est rare que je les ouvre. Donc ça, sur la personnalisation, on aime bien avoir des captations live aussi, s'il y a. Voilà, je voulais juste rajouter ça, confirmer ce que vous avez dit en fait. Et le mail, pas trop long, quoi. Ok. Et le téléphone, volontiers aussi. Ah, oui. Farah et Steph, vous avez des choses à rajouter ou non? Pas spécialement, en tout cas, merci, c'était hyper intéressant. Je n'ai pas eu d'obligation. Est-ce que d'autres questions ou on décide que c'est... l'heure de se quitter et de boire un coup. C'est bon pour tout le monde, Edgar? Ouais. Bon, nickel, ok. Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors moi, merci à tous les participants. Surtout, un grand big up à Amine et à Jean-Noël d'avoir, encore une fois, accepté très gentiment et de manière sincère et directe cette première rencontre Zoom. On a rendez-vous, nous, la semaine prochaine pour la deuxième. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous et certaines d'entre vous qui sont aussi présents. Ça, c'est pareil sur le côté développement, accompagnement artiste, mais sur le volet artiste avec Kemar et Shankar du groupe No One is Innocent. Donc, c'est sur la partie rock et un peu la partie do it yourself. Mais là, c'est le même volet, mais sur la partie côté artiste. Et puis, sur le côté aussi do it yourself, comment on développe une carrière quand on est un artiste. Je pense qu'il y aura une autre vision qui sera assez redondante, puis on aura une autre vision. Et voilà. Merci à tous d'avoir participé. Merci Christophe. Merci. Jean-Noël, Amine, on vous envoie une bouteille de chartreuse. Allez, merci. Moi aussi, je veux bien. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et au plaisir de vous voir en vrai tous et de vous en faire des bisous. Bah ouais, bah pareil. Hein. Hâte de vous voir. Merci à tout le monde. À vite. Merci,